Les jours se suivent et se ressemblent. Une bonne dose de mâche-fer, des favoris qui déchantent et des outsiders qui brouillent les cartes. Le charme des quintets, du meeting d'hiver. Sur la grille de départ du Prière Silly à Paris-Vincennes, 13 concurrents de 6 à 8 ans vont s'élancer derrière les ailes de l'autostart sur la distance de 2100 mètres. Mario Aludis Armouras, le départ volté n'est pas sa tasse de thé, mais j'ai surtout besoin qu'il me rassure. Même sur son parcours de prédilection, j'ai décidé de le mettre de côté. Mon tube est le 5, Billo Jepson. Sur notre sol, il fait des étincelles. Deuxième du champion Orsi Dream. Entre-temps, une 10-3 sur ce tracé et lauréat 3 semaines plus tard. En laissant sur place Toto Barroso, qui n'est pas le premier venu, il a les moyens de poursuivre sur sa lancée. Les esprits chagrins vous susurreront à l'oreille qu'il sera seulement déféré les antérieurs. Surtout, ne les écoutez pas. Mon tocard le 8, Uwaga. Elle n'a que son numéro contre elle. Quand vous jetez un œil sur son CV, elle a bataillé avec des adversaires d'un autre calibre. Si son pilote ménage ses efforts en démarrant et trouve le bon dos pour se faire ramener le plus longtemps possible, elle doit faire l'arrivée. Le magot est bientôt dans votre poche. Je vous propose un quintet plus champ réduit avec le 5, l'As, le 6, le 8 et un X associé au 2, au 4, au 7, au 9, au 12 et au 13 pour la somme de 12 euros. En attendant le retour de mes camarades qui vont faire leur grand retour à partir de ce dimanche, j'ai averti mon ami Josie la boulangère que les croissants et les pains au chocolat leur étaient désormais interdits en cas de tuyau percé. N'oubliez pas, si vous voulez toucher un conseil d'amis, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.